bon dedans, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une MOAB ou MSR un peu spéciale. C'est pas... En fait je vais vous expliquer pourquoi. Regardez ce que je marque en fait sur le... On défend le QG quoi. C'était... Le sujet aujourd'hui c'est le jeu en équipe. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Si vous attendez à du rush 100%, partez, quittez la vidéo. Mais je vous conseille de rester juste par curiosité pour le sujet et pour la MOAB qui est pas mal quand même. Malgré que c'est pas du rush à 100%, mais je vais expliquer pourquoi. Parce que déjà d'une, premièrement, ce gameplay est très très vieux. J'ai retrouvé sur mon disque dur et il a plus de d'époque de Modern Warfare 3. Il doit avoir 2 ou 3 ans, plus de 3 ans je pense. Et en fait, à l'époque avec ma team, dédicace à ma team d'ailleurs, grosse dédicace à ma team OCB. Ça fait plaisir de remettre une gameplay sur un QGMW3. C'est sûr, c'est pas le bordel, c'est une défense de QG. Mais je vais vous expliquer, on va y venir tranquillou. Voilà. J'ai une vidéo qui a été assez populaire aussi il y a longtemps, il y a deux ans je crois. Ça a été ma MOAB au barrette 50, sans bouger, à côté du QG et ce QG là. C'est-à-dire j'étais côté herbe, on verra plus tard, je vais m'y mettre 2 ou 3 fois dedans quand même. Voilà exactement, ben, peut-être là, voilà. J'ai fait une MOAB au barrette 50, sans bouger, c'est-à-dire à côté du QG, à 1 mètre du QG, sans bouger en jeu d'équipe, c'est-à-dire mes collègues bloqués pour pas qu'ils arrivent derrière. Et moi je prenais ceux qui me sortaient du couloir et un petit peu d'en face. Donc bref, cette vidéo a été vue plus de 22 000 fois. Ça a été la première sur YouTube. Moi, au barrette 50, sans bouger. C'est autant un défi que de faire sans atout. Ma chaîne, c'était sans bouger. Bref, il y a eu des dislikers, il y en a qui n'ont pas aimé. Certes, c'est quand même pas facile à faire. Voilà, donc après cette MOAB, je l'avais fait il y a longtemps. Après la MOAB au barrette, je me suis dit, je vais essayer un peu de bouger quand même. Mais d'où je reprends le principe d'équipe. C'est quelqu'un en OCB, quand même, ouais, là il y avait 0 à 0 et quand on avait ce QG là, c'était notre QG préféré. On a fait des putains de séries de 4-5 MOAB dans la partie, je crois qu'on a réussi 5 MOAB, c'était le plus qu'on a fait sur ce QG là. Voilà. Et des fois on avait des adversaires mais, qui insistaient, qui voulaient le QG, et nous on défendait. Il y en avait un qui se mettait à la Jeep, deux qui prenaient le devant. En fait là on le voit un petit peu sur le côté. Voilà, sur la carte, je sais pas si vous voyez sur la carte. On le voit sur la carte normalement, voilà. Vous voyez le positionnement. Après moi je gueulais un peu ceux qui me piquaient le couloir parce que moi j'étais au sniper donc je voulais le couloir. Genre Chakazou ou Camperos, je leur mettais un peu la fessée, des fois je criais un peu au micro. Raja, je sais que Raja qui était au Steven, Raja se mettait souvent à la Jeep ici. Donc l'esprit d'équipe, le jeu d'équipe c'est quoi? Certes vous allez dire ouais vous êtes des enculés parce que vous attendez les ennemis, vous les prenez. Non mais c'était pas du spawn trap, hein, c'était pas du spawn kill non plus. On attend, ils veulent plus le QG, nous on est bien positionnés, ils avaient qu'à nous détrôner. Ils n'y arrivaient pas plus ou moins des fois on se faisait péter, hein. Faut pas croire qu'on était des warriors non plus. Mais c'était un QG qu'on avait l'habitude de défendre en équipe. Et franchement à la OCB à l'époque, sur la W3 d'ailleurs, ça manquait plus de QG. Parce que c'était vraiment les plus belles games que j'ai fait en équipe. Sur Black Ops 2 c'était différent. Et franchement ça me manque. D'où j'espère aujourd'hui, malgré que c'est pas du gros rush, je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce que le déclenchement de la MOAB est pas mal. Franchement, il est vraiment pas mal. C'est un petit truc bidon, simple, mais c'est super joli. Donc, m'en voulez pas si j'ai un petit peu campé. Donc, je reprends. Voilà ce que je voulais dire, c'est de la défense d'objectif. Et après, si c'était pas forcément parti pour faire une MOAB, mais après, si elle venait, elle venait toute seule. Donc voilà, j'espère que quand même ça vous plaira. C'est du MW3, c'est du old school. Certes, c'est pas du rush parce que là, actuellement, au sniper, pour ceux qui ont pu bien suivre mes vidéos d'avant, j'ai grave évolué au sniper. Je vous avoue qu'avant, je jouais mal. Hein. Sur MW3, j'étais pas du tout un sniper. Hein. Moi, j'étais un joueur voilà, ACR à l'ancienne, quoi. Scarache, machin, fusil d'assaut. J'étais pas du tout sniper, quoi. Là, on est à 14, quoi. Voilà. 14. Et du coup, si vous avez raté les vidéos précédentes, regardez Nucléaire sur Black Ops 2 au DSR 100% rush. Là, je vous mettrai prochainement des gameplays rush au sniper aussi sur Black Ops 2. Donc, ce gameplay ne vous suffit pas, il a 3 ans. C'est pas ma manière de jouer de maintenant. Certes, c'est moche, je bouffe le gazon, j'avoue. J'ai fait 3 kills au MP7, tiens, on parle de ça. 3 kills au MP7. J'ai coupé aussi des séquences pour pas que, parce que ça durait assez quand même un petit peu de temps, donc je vous ai fait une vidéo assez compacte. Là on en a 19, 20, c'est pas mal. Là il y en avait un qui s'est niqué, alors j'ai préféré bouger, je m'en rappelle, parce que sinon il s'est niqué, donc je suis revenu après. Voilà, 21, allez on va suivre la fin du gameplay ensemble là. 22, il manque 2 kills, parce que je suis en détermination, 2 kills, et regardez un petit peu la MOAB déclenchée, bibi. Il arrive ou ils arrivent pas, ils arrivent ou ils arrivent pas, ils arrivent. Et bim, collatéral les gars, pour finir avec un petit headshot en prime sur la collate.
Voilà, petit déclenchement de la MOAB OMSR, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à regarder la playlist de Sniper que j'ai fait sur ma chaîne. J'ai fait une playlist spéciale Sniper, Gameplay Sniper. Et je vais faire beaucoup de Gameplay Sniper prochainement, parce que je sais que ça vous plaît. Donc voilà, j'espère quand même vous allez liker et mettre un commentaire pour cette MOAB OMSR. Défense d'objectif en équipe avec la OCB. Grosse dédicace à ma team OCB. Je vous kiffe, mes abonnés aussi. Je vous dis, n'oubliez pas de voir les vidéos précédentes si vous les avez ratées. Ça fera plaisir à tonton. Bonnes vacances à tous et ciao les gars.